Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mister Pixrox et aujourd'hui on se retrouve sur Halo Master Chief Collection pour un gameplay sur Halo 4 sur Exile. Alors j'ai pas encore joué à Halo 4 sur la Xbox One, donc je vais voir un peu ce que ça va donner au niveau des graphismes. J'espère que ça va donner quelque chose de plutôt beau et de fluide, car je me souviens sur 360 il y avait quand même des petites baisses de FPS assez souvent quand même, il faut le dire, hein, ce qui est. Il était quand même très joli déjà pour un jeu de fin de console, ça c'est sûr, mais des petites baisses de FPS, donc voilà. J'espère que ça va être pas trop mal. J'ai hâte. Attention. Attention, attention. C'est parti. Hop, donc je m'étais fait une classe auparavant. Au cas où. Oh là là, c'est fluide. Ah, cette fluidité de ouf, les gars. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça fait bizarre. Oh là là, puis eh, franchement, c'est plus beau. Boum, frag avec la grenade, premier frag. Bon, par contre, au niveau des connexions, là, je crois qu'il y a encore un petit peu de latence, hein. Malheureusement, écoutez. Malheureusement. Ah, merci les amis, vous m'avez sauvé la vie quoi. Oh la vache. Ah dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas très grave en tout cas, je suis heureux de retrouver ce jeu sur la Xbox One avec tant de fluidité. C'est vraiment sympathique, hein. Et franchement, ça fait plaisir de retoucher du Halo 4 à 60 FPS, vraiment. Ah Young, j'ai cru qu'il allait jamais prendre sa balle lui. Vas-y mon ami. Hop, je vais aller le déposer là-bas. Ah merde. Allez, livraison, livraison, livraison. Boum, livraison. Ça c'est good. Ah dommage. Boum la grenade. C'est moi qui lui avec la grenade, non? En tout cas on voit direct que niveau gameplay j'y arrive un peu mieux quand même à prendre en main le Halo 4. Oh la vache. J'ai eu mal, hein. Bon, ça fait extrêmement plaisir en tout cas de vous retrouver dessus, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est parti, j'oublie à chaque fois du coup qu'on peut courir. Ah là là. J'ai pas encore fait mes classes du coup, mais bon. Je veux le pompe. Oh non. Drapeau ennemi raflé.
Alors désolé si je parle pas trop, hein, mais je suis vraiment très concentré. Hein. Je sais que je dis ça parce que chaque fois que je parle, que je fais une partie, à chaque fois je vous dis ça. Je le sais, mais... Vous avez le drapeau. Mais voilà. Je vais aller essayer de le livrer, ça va être dur. Allez, allez, allez. Je sens que je peux y arriver. Pousse-toi, toi. Et ben voilà. Deuxième point. Drapeau capturé. Porte-drapeau. Oula, ouais. Petit lag, hein, dis donc. Ouais, on voit que la connexion a vraiment du mal là. Ouais, temps de latence par contre, ça fait mal. Protégez votre drapeau. Réinitialisation du drapeau. J'ai tenté d'aller en récupérer un. Aïe, bien joué à lui. J'ai été pris en flagrant délit. Mais non! Ah, le temps de latence quand j'appuie sur X bien avant quoi. Normalement j'aurais dû être au moins 10 mètres avant lui, tu sais. Et non mais j'ai l'impression que les grenades elles partent pas ou... C'est étrange quoi. Réinitialisation du drapeau. Tuez leur porteur. Bah alors. Protégez votre drapeau. Escortez le porteur. Non, le méchant. Bon, à vrai dire, j'ai pas du tout géré avec le canon boss. Réinitialisation du drapeau. Eh oh. Oh. Réinitialisation du drapeau. Non, il est pas mort.
Le mec du coup il est trop dans la bouille. Oh non, mais la grenade elle part pas quoi. J'ai lancé une grenade, elle est pas partie. Mais c'est moi ou il y a plus de joueurs qu'avant? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a masse de gens maintenant sur Halo là. Je crois que ouais, ils ont rajouté 2-3 joueurs, je crois, en plus par team. J'ai cette impression là. La grenade n'est pas partie. Ah, tire dans la tête, je suis mort. Ah, dommage. En tout cas, ça va, niveau score, on est premier. J'avais pris le plaisir de jouer à la manette avec avec les vibrations et tout, c'est vraiment sympa. Ah, dommage. L'équipe a marqué. Et bah voilà, c'est bon ça. On a bien des points d'avance, c'est plutôt cool. Les gens du Halo 4 à 60 fps, c'est grave kiffant. Hein. Je dois vous avouer, c'est vraiment pas mauvais du tout. Escortez le porteur. Et c'est grave kiffant aussi, quoi. Il y a plus de monde, c'est énorme. Mais quel débile! Ah non! Ah, en même temps, il est pas allé du bon côté, il est allé derrière là où il y avait la tourelle, le débile. Et il joue pas trop l'objectif, hein, les ennemis. Ou du moins, ils ont du mal à abandonner, je crois. L'équipe a marqué. Eh oh, je suis deuxième comme ça. Voilà. Escortez le peur. Allez, vas-y mon ami, vas-y. Drapeau ennemi à terre.
Oui. 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 Et bah voilà. Parfait tout ça. Et je suis repassé premier en plus. Bon alors je vais vous avouer quand même que je voulais laisser un petit peu mourir pour que je puisse récupérer le drapeau et passer en première tête. Mais ça il ne faut pas le dire, n'est-ce pas? En tout cas, très très bonne impression du 60 FPS sur du Halo 4. Très très bonnes impressions. Je suis vraiment surpris. Et agréablement surpris même. Très agréable. Prise en main, c'est la même. C'est très très bon. Voilà. Voilà ce que j'allais dire. Bon, je suis pas un ratio positif, certes. Mais c'est grave kiffant. Alors, au niveau des prochaines maps, on ne peut pas encore les choisir. On ne peut pas encore les choisir. Vraiment très 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 kiffant. Alors, au niveau de la personnalisation, j'ai... Identifiant joueur, je crois, c'est ça, non? Bon, d'accord. Alors, classique. Oh, ça. Allez, Jean. Oh là là là. Cette map. Cette map. Terrible, ça. Du Halo 4. Enfin, non, du Halo, pardon. Avec 4 votes, c'est pour ça, du Halo 4. Oh là là. Oh, quand je jouais sur PC, quoi. Oh. Bon, ça me donne des frissons. Tellement bon. Oh, puis ça charge comme ça, la bière. En équipe. Oh là là, regardez-moi. Oh, j'ai l'impression d'être PC, comme à l'ancienne époque. Avec un peu plus d'FPS, je l'avoue, parce qu'à l'époque, quand je jouais, c'était avec un vieux PC. Mais oh, et puis regardez. Le magnum où tu tires en continu. Oh là là. Alors, par contre... Vas-y, roule ma poule. Non! Oh, méchant. Méchant. Méchant, méchant. Je vais sur X sans faire exprès. Bon, c'est pas grave, écoutez, je vais faire le chemin. En tout cas, et... comme ça, de loin... Non. Par contre, ça, c'est très... très papy. Enfin, bref. Ça s'appelle les bons souvenirs, c'est le principal. À pompe. Hop. Ouais, lui, il s'est fait exploser. Ouah. Oh la vache. Ouais. C'est le mal, hein. C'est le mal, c'est le mal. Allez, qui veut mon... What? What the fuck? Comment il est mort le mec? Alors j'ai rien compris de comment j'ai pu le trahir hein, par contre. Allez. Oh. Petite joue. Oh le papier. Oh la vache. Ça fait bizarre, vraiment très bizarre, et c'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait de mettre même les anciens. Moi j'ai graphisme comme ça sur Xbox One, vous vous rendez compte? Franchement, ça fait cœur de rejouer à ça. Ça fait extrêmement plaisir, et j'en suis extrêmement ravi. En tout cas, il y a une meilleure action qu'à l'époque sur PC quand j'y jouais. Ça fait plaisir parce qu'avant quand je tirais comme ça, que je touchais la tête du mec, en fait ça me le disait quoi, une après quoi. Salut mec. Aïe.
Où il est? Ah, je peux pas savoir où il est. Dommage. Oh bah non, je veux bien monter avec toi, cher ami. Par contre, je crois qu'il y a un petit problème au niveau des trahisons de leur truc. Là au niveau des bruitages. Allez, conduis. Ok, j'ai compris, il va falloir y aller comme ça. C'est parti. Waouh. Alors sur le bon vieux T-Bag quoi. Voilà. Je l'ai eu? Non. Ah, je l'ai même eu quoi. Ah ouais, le niveau du score c'est pitoyable quoi. Enfin, ce que je faisais avant sur PC, par contre, là... Ouais, tu vas te la jouer comme ça, toi, faire cache-cache. Ah, le Magnum quoi, très cheaté le Magnum, assez... C'est pas qu'il est cheaté, c'est qu'il est assez puissant. Les spoons sont cheatés par contre. Ah. Je fais qu'un kill, mais non, mais c'est possible que je fasse qu'un kill. Vous ne viendrez pas. Et tu auras ton sniper. Avec plein de balles. Merci à toi. Oh là là, il m'a mis cher. C'est vrai que je voulais que les balles de sniper dans le 1, elles étaient plus en dégage. Enfin, fallait tirer un peu à la Battlefield. Prévoir la trajectoire. Et ça, j'avais totalement oublié. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou alors si c'est à cause de la connexion, comme ça dans l'eau. Alors, attendez. Voilà, j'ai très mal à la gorge, extrêmement mal même je dirais. Ah là 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 là, je me prends la raclée quoi.
La Master. Non. En tout cas, j'ai perdu hein, sur Halo CE. Ça c'était précis, j'ai totalement perdu ma main. Faudrait que je le reprenne sur PC un peu pour voir ce que ça donnerait en vrai clavier souris. La grenade, boum. Oh non, il est parti. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait peur de retoucher à ce jeu. J'ai cru que jamais de ma vie j'allais retoucher. Bon, par contre, je dois vous avouer que ça fait bizarre et ça fait bizarre dans les deux. Quoi. Je sais plus jouer quoi. Oh la vache. Allez, c'est parti. Peut monter à votre avis? Oui. Oui. Oh le suicide. Ah non, si, non. J'ai l'impression de redécouvrir, enfin je sais pas, ça fait tellement bizarre. Pour les gens fans de Halo, vraiment, si vous retouchez à ça après quoi, après je ne sais plus combien d'années, c'est extraordinaire. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas retouché à ce jeu. Hein. Ah. Oh.
Bon. Fallait quand même que ça se termine parce que cette map c'était pas trop ma préférée. Ok. Bon et bien du coup, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver d'autres parties multijoueurs. Je vais voir si je peux encore en faire 2-3 avant que j'aille faire 2-3 montages, les mettre en ligne. Et voilà. Alors sur ce, je vous aime.